Aussi, meuf, une challenge pour vous tous là. Ça va, on s'en tire plutôt pas trop mal. On part encore avec ton ballon. T'es son petit frère. Ouais. Comment c'est possible? Vous avez le même frigo, vous mangez la même chose? Ouais, ouais, mais je joue pas la bagarre. Terra, t'as pas de ballon. Ah, monsieur Fisherman. Premier point, les frappes là que vous faites éviter. Ça fait une semaine que vous n'avez pas joué. Là, on va reprendre en douceur tranquillement. La séance va quand même être difficile avec une heure de tournoi. Lucas et Fares, ils ont préparé un échauffement. Vous ferez l'échauffement avec eux. Ensuite, on va faire un tournoi à trois équipes. On aura un éducateur dans chaque équipe. Et après, quand vous avez fait la passe, vous allez au chapeau chinois libre avec un échauffement d'avant-match. Vas-y, vous tournez en rond et au top. Vous devez aller toucher votre coupelle et le dernier qui touche sa coupelle, il a perdu. Ok, stop. Ah oh ouais. Allez, Nevo, sac pompe. Oui, ça bosse tout ça. Oui. Allez là-bas, allez. Tournez, allez, allez. Stop. Reprise après une semaine de vacances, une semaine qui a fait du bien dans la tête et dans les jambes. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gamins qui sont encore en vacances. On n'est que 18 sur 42. On va en profiter pour reprendre en douceur et faire un petit tournoi. Mais il faut quand même travailler parce que là, on enchaîne 8 matchs d'affilée. Et ça commence par ce week-end en championnat. Ouais, bien joué. Oh, mais Jim, mets de l'envie. Vous allez travailler sur ce couloir là, tout en une touche de balle. On doit en faire 50 en 30 secondes là. Donc vous touchez 25 fois le ballon chacun. Encore, encore, c'est bien, on répète là, c'est bien. Ouais, ouais, tu peux rentrer. Oh, j'ai mis deux fois. Allez Pedro, allez. Ah monsieur Fisherman. J'ai fait ça complètement. Là là, ça a lâché. On va tout faire avec la semelle en deux touches. Ça va hyper vite là. Comme ça, hyper vite. Ouais, très bien monsieur, très bien, jouez à la maman, on n'est pas pressé. Ouais, ouais, oh là là, bien joué. Plus proche de la coupelle, ton contrôle midi, la passe est pas bonne. Elle mettait du rythme, allez, allez, je vais pas entendre de bruit de coupelle là. Allez Charlie, domine ce ballon là. Vamos! Si! Ouais, tu rattrapes, Namri! Allez, maintenant, celui qui est sous la ligne jaune, il a un genou au sol, obligatoire! Dès que vous loupez votre frappe, vous êtes éliminé, vous ramassez le matériel. Si vous marquez, vous pouvez revenir dans la colonne. Matériel! Arthus qualifié! Matériel, à pied! Bien joué, Dorian! Je m'appelle Dorian Millet, j'évolue au poste de gardien de but. Je jouais à Sainte-Foy quand j'étais en U12, U13. Je jouais avec Charles, Loris Adam, Loris Verrier, aller en équipe 1. C'est mon objectif, clairement. Matériel, Lambry, bien joué! Matériel, Enzo, merci, il y a des ballons au fond. Il y a des chaises là-bas, des coupelles. Ouais, Yasser, allez! L'attaque comme ça, quoi! Matériel, s'il vous plaît. Faut qu'on affirme notre position de leader en championnat pour la une. Donc dès ce week-end, ça va taper tant. Je pense que vous le savez, on joue jusqu'au 11 décembre. Ça fait 10 jours pour certains.
que vous n'êtes pas entraîné. Donc là, on a 1h30 devant nous, il faut bien l'utiliser. Nous, on reçoit Jeunesse. Pour la petite info, pour ceux qui étaient là l'année dernière, on avait fait 2-2 chez eux. On a un match à gagner samedi, nous aussi. Vous allez vous mettre par groupe de 4, brésilienne, alternance, une touche, deux touches. Regarde le Brésil. Là, on arrive. Ça va être très physique ce qu'on va faire. Hein. Dès que je trouve un appui et l'autre sur la même possession, je marque un point. Chahine, Chahine, allez, apprends à jouer à une touche. C'est bien, il y a de l'idée là, ok, encore. Ouais, on peut marquer un point là, voilà. Bien joué, messieurs. Oh non, mais tu regardes pas, mais dommage. Ok, stop. À votre avis, pourquoi Enzo, sur sa passe, il la perd là? Non, il l'a demandé ici, il s'est pas démarqué. Si tu la demandes là, t'as grave de la place, t'as grave du temps. C'est cool, ça va les préparer à ce match de ce week-end. On a fait 2-2 contre eux l'année dernière, donc il y a quand même une revanche à prendre. Saïd, en plus, qui sera pas là sur le banc, donc il va falloir qu'on la prenne pour lui. Regarde l'état de la cage. Ah, mais ils sont 4, hein. Oh, les 4 mousquetaires pour une cage. Je finis sur un carton rouge. Les gens vont penser que j'ai pris 34 matchs. Il n'y a pas de souci, pensez ce que vous voulez, mais la vraie raison, c'est que j'arrête. Deux façons de marquer, soit en stop ball dans le triangle, soit en une touche dans la cage ou de son mauvais pied. Ok, Pedro. Là, oriente-toi, oriente-toi. Très bien. Oui, là. Très bien, ouais. Va, va, va. Allez, Driss, prends une décision. Avant, Driss. Très bien, Noir. Franchement, ils sont sérieux. T'as vu, ils parlent pas. Ils font une bonne séance. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intensité. On a vu la faute. Tiens, Mehdi, faute, faute, faute. Tu vois, il n'y a pas de temps mort. Les ballons, ils s'injectent comme ça, direct. Donc, c'est bien. Ouais, ouais. Là, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Seul appel de Pedro, de Lucas et la bonne passe de Maé. On a éliminé combien de rouges? Ouais, moi ça. Regarde, la pratique, oui. Bien vu, Saïd. Oui. Dommage, bien vu, Terence. Oui. Là, on va voir comment vous vous comportez quand vous êtes en supériorité offensive. Forcément, vous allez toujours être un de plus. Que ce soit les rouges ou les verts quand vous attaquez. Tard, tu vas être joker. C'est pour te forcer à libérer des ballons. Je m'appelle Raoul Tard, j'ai 16 ans. Je suis milieu défensif, offensif un peu partout. Les objectifs de cette année, la coupe et le championnat, je pense comme tout le monde. Ouais, ressort, ressort, tranquille, ressort. Bien joué, Tard. Ouais, Mehdi. Jouez, jouez. Jouez, avantage. Je sais qu'il y a faute, mais il y a but. Je sais très bien qu'il y a faute, mais des pénaltys, c'est pas sûr qu'on le mette. Là, le but, on l'a mis. Très bien, Tard. Oui, Driss. Non, on parlait de la compo ce week-end, on veut faire une révolution tactique. Mais c'est Marc Taff qui va décider, moi je suis suspendu, donc... Ça peut être extraordinaire, la vérité. Pour la funk, ce week-end, il n'y aura pas d'attaquant, on est le grand Barça. 3, 2, 1, ouais, le dédoublement, Maé, très bien. Des petites surprises pour vous déjà, qui fait du 41? Moi. Vas-y, lève le pied. 45. Au moins du 40. Toi, tu fais du 41 de Tunisie, ouais. Des albums Panini, c'est bientôt la Coupe du Monde. Donc, vous en avez un chacun. S'il y en a qui ont des petits frères, vous pouvez en prendre deux. J'ai distribué. Tiens, Pedro. Tu m'en as volé tellement l'année dernière, toi. Tu m'en as pas volé l'année dernière. À distribuer. Dans ce qu'on voyait dans le jeu, franchement, je suis très très content. Les gars, il n'y a pas Saïd sur le banc. Pour soyez prêts. Pour info, bah, j'ai pris un match de suspension. La conséquence, c'est que je pourrais pas faire la causerie. C'est Marc Taff qui animera avec Mika. C'est une bonne, bonne préparation. On a déjà fait des matchs avec Marc Taff, on était que tous les deux. Sans Antoine, sans Mika, ça a rien changé. Donc ça changera rien ce week-end aussi. C'est qui ton joueur préféré? Courtois. S'il est dedans, devant témoin, tu joues ce week-end sous fausse licence. Alors, non. Ouh, j'ai cru là, j'ai vu un gardien comme ça avec la coupe. Ah non, c'est fini. Je te souhaite un très bon week-end. Comme l'an dernier, on sait pas si on est sur le terrain en herbe, sur le synthétique là-bas. Ça fait 3 fois qu'on nous donne des infos différentes. La goutte, c'est la seule fois que tu me vois. Hein. Tu vas plus me voir de la journée après. Bon les gars, je voulais vous souhaiter un bon match. Comme vous savez, j'ai pas le droit d'être dans le vestiaire.
contexte particulier, les Saïd suspendus. Pour Saïd, les gars, on doit aller gagner. Il faut montrer aux gens qu'avec ou sans Saïd, avec ou sans moi, avec ou sans Mika, avec peu importe qui, on vous tape. Même s'ils ont une équipe différente, l'année dernière, c'est une équipe qui, ici, nous ont tenus en échec. Leur causerie, moi, je vous dis ce qu'ils sont en train de se dire en face. On a espoir de pouvoir le faire parce qu'ils n'ont pas leur coach. Espoir parce que l'an dernier, on a fait 2-2. C'est un match sur le papier être assez équilibré. J'espère que ça sera un match où il y aura beaucoup d'engagement, de combats, de duels. On a eu une grosse première partie de saison. On a été exceptionnel, les gars. Comme si on faisait une maison, les gars. Chaque match qu'on va prendre, ça va être un petit moellon, une petite brique, une petite pierre qu'on va rajouter à notre maison. Et c'est ce qui va faire qu'à la fin, on aura une grosse villa. Là, comme vous pouvez voir, hein, l'équipe a un petit peu changé, etc. Vu si on doit vraiment être juste, on doit l'envoyer en deux, tu vois. Il y a des gens qui sont en vacances, il y a des gens qui ne sont pas entraînés, qui ne sont pas venus aux séances. C'est pour ça qu'on a une équipe qui est remaniée, mais excellent, même bien joué. Avec ça, je pense qu'on devrait le faire. On va le rappeler, on n'est pas la meilleure attaque. Nous, on veut être des machines. On veut être premier partout, d'accord? Avec les qualités qu'on a, les joueurs qu'on a, il faut qu'on soit des machines de guerre. Avant de prouver les choses aux supporters qui sont là, aux coachs, prouvez-le à vous-même, les gars. Et faites-vous confiance, d'accord? C'est pour ça, sur l'échauffement, on voulait se faire des dribbles, des trucs. Tard, on était un sacré joueur. Moi, je suis prêt à payer pour jouer, pour devoir jouer. Mais en ce moment, je suis prêt à payer 2 euros, tu vois. Quand collectivement, tu vas nous servir, là, on mettra 10, après on mettra 20. Tout leur discours, il repose sur une seule et même chose, c'est l'espoir. Et cet espoir-là, je veux qu'il dure jusqu'au coup de sifflet. Dès que l'arbitre il va siffler le coup d'envoi, tous les espoirs qu'ils ont, vous les éteignez. Première minute. À deux droits, à deux droits, à deux droits. Hey, là, il y a le bras. Hydrique, va pousser le bras. Allez, noir, direct dedans! Elle est folle, elle! Ah, nous l'a dit, c'est un peu plus. Enzo, sur le stand de tard, tu dois être devant la cage, mon gros. C'est bon, va, va. Penalty tous les jours. Bien joué, mec. Putain, ouais, je le connais par cœur, il va mettre une panique, c'est un gamin. Je les connais pas. Alors, joue encore. Très bien, Charles. Va Enzo, c'est pour toi. Très bien, Carlos. Va Enzo. Vas-y, je suis en train de jouer. Oh, il l'a tué. Remets-lui. Placez-vous, allez, enchaînez. Carlos, parfait. Bien joué, Charles. Lucas, bien joué, Lucas. Allez, parfait, en une. Lucas.
va sortir Lucas. Saïd, je voulais qu'on sorte Enzo. Regarde. Bien joué. Le coaching. C'est bien l'équipe. Allez Edouard, allez. Encore, encore. Sincèrement, je vais vous dire la vérité, je vais être totalement honnête avec vous, je suis pas totalement satisfait. Vous allez vous dire, il est fou, de quoi il me parle. À un moment, on a arrêté de jouer. Parce que ce que je vous avais demandé de faire, dès le début, vous l'avez mis en place. Et vous avez bien vu comme ça a tout changé. Après, tout devient plus facile. Vous avez vu, il y a quelques jours, ce qui s'était passé avec le futsal, l'ALF, 58-0. Des pères de famille, en 40 minutes, ils ont pris 58 buts. Plus le score s'agrandit, plus on a de la place pour marquer. Parce que plus vous allez en mettre des buts, plus ils vont être dégoûtés, plus ça va être simple pour vous. On le voit, les joueurs qui s'arrêtent de jouer. Je fais pas assez. Il y en a d'autres qui font pas assez. Les 30 premières, elles sont très très bonnes, les gars. Très très bonnes. Dans l'envie qu'on a mis à jouer au foot, dans les sorties de ballon, dans l'envie de sécuriser le ballon à la récupération, dans l'envie de changer de côté. D'accord? Ça, c'était des choses qui étaient hyper hyper intéressantes. Les ressorties de balles où on trouve Terence, Mehdi, c'est exactement ça les gars. C'est ça qui leur fait mal. Parce qu'on est tout de suite dans le cœur du jeu, face au jeu, pour faire mal, direct, pour aller de l'avant. Donc ça c'est important. Il y a des choses qu'on a retrouvées, qu'on n'avait pas eues depuis le début d'année. Allez-y, avancez, avancez, je fixe, hop, paf, je décale côté. À la fin, on met 45 secondes à tirer un corner. Arrêtez de vous mettre au niveau des autres. Pourquoi? Parce que moi, demain, j'ai envie que vous jouiez plus haut, à plus haut niveau. Et si vous vous satisfaisez de ça, désolé, je vous le dis, vous n'allez pas jouer à plus haut niveau. Par contre, si ici, vous donnez tout pendant 45 minutes et vous montrez au monde, aux gens, qu'en fait, c'est très simple, vous ne méritez pas d'être à ce niveau, là, vous jouerez plus haut. Alors faites-le. Pour tous ceux qui veulent aller jouer plus haut, là, faites-le. Allez, va, gamin. Va, très bien. Noah, c'est ça, il ne faut pas perdre le ballon derrière. Tar, accélérez, vous allez rentrer. Oui, ah oui, Tar, oui, Tar, oui, Tar, oui, Tar, 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 mets de la conviction. Casse. Bombarde côté, hein, bombarde. Ah si, meuf, une canette pour vous tous. Tu vois, je peux même pas regarder le match. Non, mais ça arrive, regarde, il va avoir un mur. Juste qui se relève. Attention, la balle du passe. La frappe, enchaînée. Tu recentres, Renoir, Oh, mais c'est moi. Oh, Idriss. Allons-y. Vas-y, Charles. Oui, Idriss. Attention. Charles.
Charles. Bien joué. Allez, la terre. Là, regardez, il va rentrer, il va marquer Charles. Il va centrer. Quel but! Il s'est pas dit il y a 10 secondes, il va rentrer, il va marquer. Et quel pronostic de Saïd! Quoi, là, au début du match, avec les quatre terrains là. Oh, les lumières! Voici le mec le batteur, on a mis les lumières! On a un concert de rock. Il reste 5 minutes, heureusement que le score est déjà acquis, mais on ne voit rien. En tout cas, si vous voyez rien aussi, mettez un like et abonnez-vous. Et redemande. En même temps. L'année dernière, on avait fait 10 max. Bon, c'est notre plus grosse victoire. Allez, Maxime. 11-0 là. 0-0 dans la tête. Je tenais à vous féliciter, vous avez fait une super belle performance. Merci. Moi je vous félicite aussi les gars, c'est franchement un très 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 bon match. Très honnêtement, je pense que c'est le premier match où on n'a rien à dire, c'est très bien dans l'envie, dans la motivation. A chaque fois qu'on vous a demandé des petits trucs, des petites corrections, vous les avez faites. Je pense à Lucas sur le côté là où je t'ai dit vas-y, va jouer 3 contre 1, va jouer. À la fin, tu passes à chaque fois. Tard, le coup franc, tu vois là, je te disais 10 euros, là j'ai peut-être payé 10 euros aujourd'hui. Et encore une fois, félicitations parce que c'est un très 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 bon match. Tirez des enseignements vous-même tout seul, pourquoi ce match on l'a réussi et quels ingrédients on a mis et quels ingrédients faudra mettre la semaine prochaine. Il y a quelque chose, mais comme j'ai aimé, c'est l'action que j'ai préférée. 90e minute, la dernière, il y a 11-0. Leur seul attaquant là, vous l'avez chassé à 5. Tard, tu fais un sprint de malade, Arthus, pareil. Ça m'a fait plaisir ça. Dans votre tête, clean sheet, ok, on te laisse pas un but. Ça, c'est super bien. Merci au papa et à la maman de Pedro pour les canettes et les bananes. Bon, vos canettes, grâce à ta chance d'assister au but le plus rapide de la série, je pense au bout de 12 secondes, donc c'est parfait. Et puis bah moi en tant qu'amateur des gardiens, j'aurais voulu voir Amar, mais c'est parfait, clean sheet. Très content aujourd'hui, très agréablement surpris par l'équipe. On savait qu'on avait une bonne équipe, mais on n'arrivait pas à mettre des scores, on n'arrivait pas à être tranchant devant le but. C'était un peu notre rêve, entre guillemets, d'avoir plus de 10 buts. Et là, on arrive à le faire. C'est une satisfaction qui est énorme. En tant que coach, tu peux pas prendre plus de plaisir, surtout qu'on a eu des belles actions qui ont su tirer leur épingle du jeu. Pour moi, ma suspension est levée maintenant, donc ça fait plaisir de pouvoir revenir. Les joueurs ont prouvé que même à 13, même malgré des absents qu'il y a en vacances, bah, l'équipe s'affaiblit pas. Et ça, c'est une super bonne nouvelle, parce qu'on aura besoin de tout le monde. La semaine prochaine, on reçoit les Buer qui est deuxième. Ça va être une vraie belle équipe et un vrai beau match. Quand vous faites un match comme ça, vous faites passer un message. Ça veut dire qu'à chaque match, dès que je rentre sur le terrain, maintenant, on va devoir couler. Bonne raison, ils vont vouloir vous faire redescendre sur terre. Vous voulez pas? Vous n'avez pas envie? Il n'y a pas de problème. J'aurai des choix très forts. C'est comme ça.